Donc là, vous voyez, avec une recharge de 10 200 francs CFA, je vais utiliser une des cartes virtuelles ici. Il va me permettre de recharger mon compte, ma carte Visa virtuelle et d'acheter un nom de domaine, comme vous le voyez ici, facilement à partir de 10 000 francs. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment je vois à la maison recharger une carte virtuelle, peu importe la carte. Là, vous voyez ici. Peu importe le type de carte que vous avez ici, là, ce sont des cartes virtuelles et je vois à la maison acheter des noms de domaine. Voilà, vous voyez ici afa-immobilier.com, afa-immobilier.ci.net et autres. Sur ce site qu'on appelle France DNS qui propose des noms de domaine et extensions.ci.com.mg pour l'Afrique, l'Europe et autres. Donc aujourd'hui, ça sera très explicatif pour ceux qui savent pas un nom de domaine, c'est quoi, c'est. Lorsqu'on tape votre site dans les barres de recherche Google, les DNS sont renommés. Ce sont des chiffres qu'on donne, mais l'adresse de nom de domaine cache ces chiffres-là via des phrases. Là, vous pouvez voir France DNS ici. On venait ici Google AdSense, vous voyez Google.com. Là, sur Google.com. Non, comme je le disais, les DNS, ce sont des composants. Par exemple, Google. Lorsqu'on vient sur Google ici, on va faire un ping control. Ah, j'ouvre la barre de commande, il va faire un ping sur Google, vous allez voir .com. Et là vous voyez la vraie adresse IP de Google, c'est 216.58.98.208. Et bien comment c'est que l'utilisateur ne peut pas saisir ça en changeant simplement en des noms, c'est à dire le google.com au lieu de saisir 206.58 et autres, c'est un peu long. Donc ce n'est pas tout, il y a plusieurs sites, vous voyez là, ce sont des sites qui ont des DNS également. Donc aujourd'hui, nous on va acheter un nom de domaine sur ce site France DNS qui va nous permettre, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir des noms de domaine, voilà, et de les réserver. Donc sans plus tard, nous commençons maintenant. Et activer la cloche de notification, cela nous permettra d'aider plus de monde et nous motivera à investir plus de temps à la création des vidéos. Vous êtes déjà plus de 125 personnes à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Merci de continuer de vous abonner. Et donc vous voyez, il y a plusieurs sites qui permettent d'acheter des domaines, voilà, sur internet. Voilà, donc comme je l'ai dit, un domaine c'est juste l'appellation, l'URL. Voilà, donc là il y a AdWords, il y a GoDaddy, Only Domain et autres, OVH. Voilà, vous voyez, il y en a plusieurs, mais moi celui que j'utilise c'est France DNS. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique ou bien partout, il y a des extensions spécifiques aux différentes régions. Donc là, vous pouvez acheter des domaines qui sont en Algérie, en Belgique, en Bénin, Belgique, Burkina Faso, Burundi, BI et autres. Il y a tous les pays représentés. Donc là, ça va servir à beaucoup d'entre vous qui voulaient avoir le domaine point leur pays. Donc là, on va acheter ce nom de domaine là. Donc je vais faire AFA. Ça, c'est pour un projet qui débute. Je vais, comme je l'ai dit, vous montrer comment acheter. Voilà, demain, je vais faire une autre vidéo sur comment configurer. Des sites sur WordPress, créer des sites internet. Voilà, donc nous avons ces domaines à sélectionner ici. Oui, il peut y avoir des domaines génériques afa-immobilier.bj en fonction des pays. .yt, parce que vous voulez au Canada, afa-immobilier.ca, tout ça. Il est différent prix. Donc nous on va sélectionner celui-là, afa-immobilier.com, et je viens, j'ajoute au panier. Je vais effacer. Le deuxième ici, et là je fais prévisualiser le panier, et là nous avons la commande en cours. Donc il faut bien évidemment avoir un compte sur France DNS. Et là le téléphone, qu'est ce qu'il nous faut? Il nous faut des cartes virtuelles. Moi je vais faire une autre vidéo dans ces derniers jours pour vous montrer comment utiliser ces cartes virtuelles, les meilleures cartes virtuelles pour l'Afrique. Voilà, donc c'est un avant-goût du prochain tuto également. Donc aujourd'hui je vais utiliser la carte Jamo. Voilà, c'est plus facile pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc ici, est-ce qu'on me demande de m'enregistrer? Bon. Donc pour ceux qui sont qui veulent utiliser Jamo, c'est simple. Vous téléchargez l'application. Je mettrai le lien juste en description. Et là, vous mettez le code CNENE19. Voilà. Ça, c'est mon code d'invitation. Pour ceux qui veulent utiliser la carte Jamo, il y a plusieurs autres cartes virtuelles également. Voilà. Ces autres cartes sont virtuelles également, mais il y a des inconvénients. Toutes ces cartes ont des inconvénients. Je vais faire une vidéo spéciale sur comment créer des cartes virtuelles en Afrique. Avoir ces cartes là. Pour ceux qui utilisent Jamo, voilà, vous mettez ce code là, CNE19, et vous faites suivant pour confirmer l'adresse temporaire.
vont vous envoyer un SMS temporaire, vous confirmer cette adresse là. Donc là, on m'a envoyé un code temporaire ici, 3680. Donc là, je mets on m'en vient de m'envoyer un code, c'est 1837. Vous validez le compte, pas maintenant, tout ça. Et là, vous avez votre compte Jamo, vous devez commander la carte et autres pour pouvoir procéder à l'opération qu'on va faire maintenant. Donc, c'est pareil pour les autres applications, carte bancaire. Donc ici, sur Jamo, je suis à 188 000 en affilié. Voilà, donc achetez vos cartes, c'est très important, ça nous encourage également. Donc on revient au vu du sujet, je vais déposer de l'argent sur Jamo ici, via Orange, ou acheter ce domaine là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un dépôt via Orange ici. Orange, on me demande combien je veux déposer. 10 000 sur Jamo. Voilà, je recharge 10 000 sur Jamo. 10 000 sur Jamo. Donc, je vais recevoir 9 000 et quelques. J'ai un solde là, je vais confirmer. Ça permet de composer ce code là pour valider l'opération. Donc, là, je viens ici. On me demande même mon code secret. Donc, là, je vais cacher ça également. Il y a question de sécurité. Donc, là, je mets le code secret et je vais valider. Donc là, le code c'est 4698. Donc là, je reviens sur Jamo ici. 4698. Et on va être via Mobile Money. Voilà, donc c'est l'avantage d'utiliser Jamo. Et puis les autres cartes virtuelles que vous pouvez voir ici, voilà, en fonction des pays. Chacun a sa spécification, ses avantages et inconvénients. Donc on passe maintenant à la deuxième phase qui consiste maintenant à acheter le domaine. Maintenant que j'ai rechargé ma carte virtuelle ici, je ne me suis pas déplacé. Vous avez vu, j'ai rechargé la carte. Maintenant on va acheter le domaine. Donc pour acheter, c'est simple. Nous avons déjà réservé le domaine ici. Vous avez un compte, tout ça. Donc je viens supervisualiser le panier ici. Et là, on me demande l'année. 2 ans, 1 an, je vais prendre 1 an et je vais faire commander. Ici, vous faites suivant. Une fois c'est bon, vous avez ici votre tarification ici dans ce domaine là. La tarification, ça va me faire 16,80 €. Donc là, j'accepte les conditions ici et je vais faire commander. Donc ici, je vais sélectionner ici carte Visa. Vous voyez là, Visa. Et là, oui, je vais prendre Visa ici. Donc c'est une carte qui se termine par 80. Je sais pas si vous voyez. Donc 80 ici, je vais prendre cette carte là. Et là, mettre le code ici 5. Et je vais faire valider. On va patienter que le processus soit en cours ici. Et là, on nous demande de valider la transaction. Donc ici, j'ai reçu un code. Je vais patienter. Je vais passer par l'adresse email pour vérifier ça rapidement. Donc là, je viens de recevoir le code de vérification ici. Je vais prendre ce code là. Soit il vient, ils envoient ça directement sur le téléphone ou et en même temps par mail. Donc s'il y a des erreurs sur votre mail, sur votre téléphone, c'est pas grave, vous vérifiez vos emails. Et là, nous sommes en train de procéder au paiement. Et là ici, le paiement est a été effectué avec succès. Là, vous pouvez voir, je viens d'acheter un nom de domaine via l'application Jamo ou une autre carte virtuelle qui marche partout en Afrique. En ce sens, il faut acheter un nom de domaine. Donc ici, je peux imprimer le reçu ou non. Je sais que j'aurai ça par mail. Donc lorsqu'il vient de ma boîte email, vous voyez ici. Règlement du bon. Ici, vous venez de recevoir un bon, il sera traité et confirmé. Donc le bon est validé ici. Je vais profiter pour imprimer le ticket. Le reçu. Donc ça, c'est le reçu de paiement ici. Ok, tout est bon. Donc,
C'est comme ça il faut acheter, utiliser la carte Jamo. C'est comme ça aussi il faut acheter un nom de domaine avec une carte virtuelle rechargée via Mobile Money. Donc, merci d'avoir suivi pour la prochaine vidéo. See you et ciao.